Hello there! Petite capsule. Combattre le système. Fait un petit bout, j'en ai pas fait. On va parler des comptes multiples. Parce que. On va prendre Facebook comme exemple, bien sûr. Sur Facebook, j'ai. Hey, on se calme! Sur Facebook, j'ai plusieurs comptes. Dans les dernières années, je pense que je suis rendu à 36. J'en ai 4 actifs. Parce que ce que je dis est très souvent shadow ban. Dans le fond, quand tu reçois beaucoup de sanctions, parce que tu dis des choses qu'on veut pas que tu dises, ton compte, à un moment donné, il va tomber en shadow ban. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est quoi le shadow ban? Que ce que vous postez va être vu par beaucoup moins de personnes. Parfois même par personne. Absolument personne. Vous allez voir vos posts, mais personne d'autre va les voir. Bref, j'ai déjà fait une vidéo sur la shadow ban, que je ne m'attendrai pas là-dessus. Allez regarder cette vidéo-là, si vous ne savez pas c'est quoi. Avant ou après celle-ci. C'est une allergie. Fait que là, j'ai mon compte principal, sur lequel je suis un peu plus doux. Puis mes 3 autres comptes sont un peu plus hardcore. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon compte personnel plus clean, mais il est tout le temps bloqué pareil. Toutes les 3-4 jours, là, je pogne un 30 jours. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs comptes. Puis même si vous êtes quelqu'un de calme, que vous avez juste un compte, puis que vous ne faites jamais bannir, bloquer, ben ce serait cool quand même que vous en fassiez un autre. Au moins un autre. Pourquoi? Pour pouvoir vous donner l'occasion. C'est-tu qui m'énerve, man? Chaque fois que je pars une vidéo, ça commence. Je dirais qu'ils font exprès. Fait que. Par la force des choses, ce que vous postez n'est pas nécessairement voulu. Fait que. En fond, si vous postez quelque chose, ça va être vu par une. Pas tout le monde qui a sur votre fil, dans votre liste d'amis, mais une partie seulement, ça va souvent être les mêmes. On appelle ça des chambres à écho. C'est qu'on se ramasse comme une cinquantaine à tourner en rond ensemble, puis à se liker, puis à voir juste ce que les autres postent. Il y a énormément de gens sur Facebook dont j'avais aucune idée qui existait, puis on se bat pour les mêmes choses depuis 3 ans. Donc, faites bien attention à ça. Soyez attentifs. Fait, créez-vous un autre compte. Fait que ça va vous permettre d'avoir une option pour être un peu plus hardcore. T'sais, sur un autre compte, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, puis peut-être pas nécessairement de photos de vous pour pas que vos comptes soient faciles à linker ensemble. Parce que moi, j'ai des comptes. Jerry et Jamar. Ben, ces deux comptes-là sont linkés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai utilisé le même numéro de téléphone pour faire la création du compte, la même adresse email, ou que j'ai switché de compte, puis Messenger aussi, ça fuck souvent. Fait que ce que je fais, j'essaie d'avoir, mettons, un compte ouvert par l'application sur mon cellulaire, puis un par Internet. Fait que ça n'a pas tout à fait les mêmes adresses IP, et ces comptes-là ne seront pas linkés. Vous pouvez les rouler les deux en même temps. C'est très très efficace. Fait que vous postez, mettons, moi je fais des vidéos, ben je poste mes vidéos sur mes 4 comptes si possible. Là j'en ai 2 de fermés, 2 d'ouverts. 2 de bloqués, puis 2 d'ouverts. Fait que là, sur les 2 que j'ai d'ouverts, ben je vais poster mes vidéos. Peut-être pas en même temps parce que les gens qui voient ce que je pose sur tous mes comptes vont voir 4 fois la même affaire, ou 2 fois ou 3 fois. Fait que je mets un petit délai pour. Puis quand vous êtes shadowban aussi, souvent il va y avoir des restrictions du type pendant. Ben, tout le temps finalement. Vos trucs vont sortir. Des fois je vois ce que je pose 3, 4, 6 jours après. Des fois d'une semaine, c'est déjà arrivé 3 semaines plus tard. 3 semaines après, j'ai posté une de mes vidéos, elle est sortie sur mon autre compte. Fait que ça vous donne une idée de. Ça fait que j'en pose toujours pour que graduellement, au compte-gouttes, ça continue de sortir tout le temps.
puis je passe pas beaucoup de temps sur Facebook. Fait que je pose des choses pour qu'éventuellement ils soient vus, même si j'y vais pas. Vos comptes, faut créer les pas avec le même numéro de téléphone. Vous pouvez créer des comptes avec des adresses e-mail. Fait que vous prenez une adresse e-mail, puis switchez pas de compte avec Messenger, puis tout ça, ça va vous allez linker. Faites très attention pour pas que vos comptes se linkent. Fait ce qu'on fait, on se crée un deuxième, peut-être un troisième compte, puis on ouvre la machine un peu. Il faut que vous soyez vu. Puis ce qui est cool, que j'ai remarqué et que j'ai fait, malgré que j'ai énormément de monde qui me bloque, puis qui aime pas ce que je dis, là, qui me demande comme ami, puis 5 minutes après, ils sont plus contents, ben j'ai quand même un 3 000 amis pas loin sur mon compte principal. Puis comment je fonctionne, c'est que avec mes quatre comptes, ces quatre comptes-là, c'est quatre, comme quatre matrices, là. Mon compte principal, ben je suis avec un genre de monde. Si je crée un autre compte, j'ajoute quelques amis qui savent qui je suis. Puis là, hop, oh, tiens, ça suggère d'autres personnes. D'autres personnes vont ajouter. Et que ça va faire comme une matrice complètement différente. Vous allez partir dans une autre direction, vous allez rencontrer plein d'autres mondes. Fait que, ajoutez, vérifiez qui est bon, vous gardez les bons. Après, une fois de temps en temps, vous prenez un compte, vous allez dans la petite loupe, vous tapez le nom du compte, de votre autre compte. Là, vous allez voir le compte apparaître. Vous allez cliquer sur Amis. Puis, vous allez pouvoir ajouter tous les amis. Que vous n'avez pas en commun les nouveaux. Fait que dans le fond, j'ajoute tous ceux qui ont du bon sens, ceux que je veux garder, je les ajoute sur mon compte principal et ainsi de suite. Fait qu'avec mes comptes, je vais comme grossir mes autres comptes comme ça en allant chercher des nouvelles personnes que j'aurais pas normalement. Fait que les chambres à écho, c'est bien important de les grossir. Fait que c'est une bonne façon de le faire. Fait que vous ouvrez les comptes, puis vous. Au pire, vous essayez des gens, là. Sortez-vous de votre zone de confort un peu pour grossir vos listes d'amis. Puis, ça a pour effet de vous apporter des nouvelles suggestions d'amis. Et vous aussi, vous allez apparaître dans les suggestions d'amis des autres. Là, ils vont dire, hey, ce gars-là, il y a 450 personnes en commun avec moi. Je vais aller voir ce qu'il fait. Ah, tiens, il poste sur cette personne-là. Hey, cool, je vais l'ajouter. Fait que faites ça et les autres vont faire ça aussi. Ça va grossir vos champs d'écho, dans le fond. C'est bien important d'aller tâter le pouls de d'autres groupes dans le groupe, des sous-groupes, mettons. Fait que c'était juste une petite prise de conscience que même si tu n'en as pas besoin, tu peux te créer un autre compte pour avoir plus de reach. C'est important d'avoir de la reach énormément parce que plus ça avance, plus le mouvement en tant que tel, moi je ne m'inclus pas là-dedans, là, mais bon, plus votre mouvement est shadowban, est censuré, puis vous en rendez plus ou moins compte. Une des façons de contrer ça, c'est de faire plusieurs comptes. Puis en même temps, ça va vous donner une liberté de savoir, ok, je peux y aller un peu plus hardcore. Là. Poster des choses qui vont peut-être plus déranger l'establishment. Fait que c'était ça, c'était comme quelque chose d'assez rapide et assez simple. Quelque chose que je pense que tout le monde devrait faire. Que si au moins la moitié de ceux qui regardent cette vidéo se créent un autre compte, ne serait-ce que pour propager plus d'informations, aller en chercher plus et atteindre d'autres gens, grossir ses listes d'amis, sa chambre à écho. Fait que c'était pas mal ça. Sur ce, mes hommages. Mais.